Hey yo tout le monde, on se retrouve sur Pokémon version Emerald. Et oui, comme je vous l'avais dit. Donc maintenant, vous allez avoir deux let's play de Pokémon. Non, vous allez avoir, oui. Vous allez avoir deux let's play. Un, Pokémon Rouge-Feu. Deux, Pokémon Emerald. Donc le jeu, j'ai même pas encore commencé. On va le commencer ensemble. Donc, bah, écoutez, c'est parti. C'est Professeur Seko, c'est ça? Bonjour, désolé pour l'attente. Bienvenue dans le monde des Pokémon. Je m'appelle Seko. Mais tout le monde m'appelle ici le professeur Pokémon. Voici ce qu'on appelle un Pokémon. Voici ce qu'on a. Ok, je l'ai dit deux fois. Ce monde est peuplé de créatures appelées les Pokémon. Nous, les humains, vivons avec les Pokémon. Il nous arrive de jouer ou de travailler ensemble. Et parfois, nous nous réunissons pour nous affronter au cours de formidables combats de Pokémon. Mais malgré nos liens, nous ne savons pas tout sur les Pokémon. En réalité, il existe d'innombrables secrets concernant les Pokémon. Pour percer les mystères des Pokémon, je les étudie. C'est mon métier. Je suis chercheur. Et toi? Qui es-tu? Bah, écoute, je suis un petit garçon trompé dans la vie, qui ne sait pas du tout quoi faire dans la vie. J'ai 10 ans, hein, j'ai commencé l'aventure, j'étais tout petit. Très bien. Comment t'appelles-tu? Alors, mes parents m'ont appelé Heathcliff. C'est très, oui, je sais, c'est un peu choquant. Hein, ils ne savaient pas quoi choisir, du coup, bah, ils m'ont appelé comme ça. Et bah, depuis, bah, c'est resté, hein. Voilà, très bien. Tu t'appelles It? Oui. Ah, mais c'est vrai. Tu es It, tu viens d'arriver à Bourgenvol, là où j'habite. Je m'en souviens maintenant. Ok. Bon. Comment te sens-tu? Bah, je me sens bien, wesh. Tu es sur le point de commencer une aventure épique. Fais preuve de courage et plonge dans le monde des Pokémon où tu vivras de belles aventures, remplies de rêves et d'amitié. Bien, rejoins-moi plus tard, viens me voir au labo Pokémon. En fait, lui, il te le dit directement, tu sais, rejoins-moi à tel endroit. En mode, toi, tu sais, quand tu sors dans ton truc, hop, tu vas directement. T'as compris. Lol. Allez, hop, arrête-toi là, hop, on sort tranquillement. Maman, it, on est là, chouchou. Ok, très bien. Ça doit être fatigant de voyager avec les meubles dans le camion. Bon, en fait, je suis désolé, mais pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi on m'a foutu derrière un camion, quoi? Pourquoi? Pourquoi? Qui a mis ça? Pas possible, ça. Avec les meubles pour le camion de déménagement. Voilà, c'est Bourgonville. Tu trouves ça comment? C'est ici que nous allons habiter. Ça paraît un peu pittoresque, mais nous devrions bien nous y sentir. Tu ne penses pas? Bah si, vu que apparemment mon père habite ici, je peux pas. Voilà. Très bien. Apparemment, je dois venir dans ma chambre et régler l'heure. Je sais pas pourquoi. Il vaudrait mieux le mettre à jour. Bon, il est quelle heure? Il est 21 h chez moi. Donc, on va dire. Ouais, très, très bien. Il est 9 h. Mais 9 h. Neuf heures trente-huit. En vrai, je sais même pas si c'est. Attends, 38, c'est là, non? Oh, j'en sais rien. On fait n'importe quoi. Hein, on va pas se prendre la tête. Oui, ta nouvelle chambre te plaît? Bah non, elle est pour preuve. T'as vu ce qu'il y a dessus? Folle. Ok, trop bien. C'est la région de Owen.
Retirer le potion. Allez, hop, on prend tout, on se barre. It, viens voir. Bah, ouais, les uns. Ce reportage vous a été présenté la reine de la nana. Ok. Ah, c'est terminé. Ok. J'ai passé tellement vite, j'ai pas pu voir mon père. Allez, hop. On va directement aller voir le professeur. Bah, il est pas là. Bon, bravo, bravo, professeur Seiko, là. Tu dis aux gens de venir, mais en fait, tu t'en bats les steaks. Oh, bonjour, qui es-tu? Oh, tu es It. Nos maisons sont voisines. Notre fille a le même âge que toi. Notre fille avait hâte de te connaître. Tu devrais aller le voir à l'étage. Ok, très bien. Bah, il est pas là, hein, donc c'est quoi ça? Hey! Qui es-tu? Ok, vous avez pas remarqué un truc? Je suis désolé, hein, de dire ça comme ça, mais au moment où je rentre, Flora n'était pas dans sa chambre. Normal, hein? Donc, ça veut dire en montant, Flora, elle s'était cachée quelque part. Ou peut-être il y a plusieurs étages. En soi, j'ai pas vu beaucoup d'étages, mais c'est un peu bizarre. Parce qu'il est bizarre. Ah, oh, tu es Heathcliff, donc tu as aménagé aujourd'hui. Je m'appelle Flora. Enchantée de te rencontrer. J'ai rêvé que les Pokémon du monde entière devenaient mes amis. Mais très bien, écoute, très bien. C'est vraiment l'un des rêves les plus badass que j'ai jamais entendu. J'ai entendu parler de toi, It, par mon père, le professeur Seko. J'espérais que tu serais sympa, It, et qu'on pourrait devenir amis. Oh, c'est un peu bête, non? Je te connais à peine, It. Ok. Oh non, j'oubliais. Je devais aller aider papa à attraper des Pokémon sauvages. On se retrouve plus tard, ok? Ok. En fait, la meuf, elle a fait tout ça. Elle devait aller aider papa à attraper des Pokémon. Et elle va sur son PC. Ça choque personne. Très bien. C'est très bien. Ok, allez, on va sauvegarder ici. Hop, hop. On va juste modifier. Hop, vitesse, vitesse. Test nani, soin nani, son. Voilà, ça c'est pas mal. Non, ça on s'en fout. Hop, pour le. Donc, on va prendre celui-là. Voilà, sympa. Voilà, très bien. Donc, ben, on a rien. Hop, on peut y aller. Salut. Il y a des Pokémon effrayants dehors. Je peux entendre leurs cris d'ici. J'aimerais bien aller voir, mais j'en ai. Aucun Pokémon. Je pourrais aller voir pour moi ce qui se passe. Oui, bah oui, c'est Professeur Sego qui se fait attaquer. Aide! Ok, le mec, c'est très bien. Et toi là-bas, je t'en supplie, aide-moi. Dans mon sac, il y a des Pokéballs. Ok, donc on va directement sauvegarder. Ici, on sait pas, hein, peut-être on va tomber sur un Pokémon Shiny. Comme sur l'autre version. Ok, Poussifeu, Axco, Poussifeu. Je sais que au tout début, quand j'avais commencé à jouer Pokémon Emerald, j'avais pris Axco parce que j'aimais bien Jhenko, mais bah, today ça va prendre Poussifeu, ouais, parce que j'aime bien le Poussifeu. Voilà, très bien. Ok, bon, on n'a pas un Pokémon Shiny, très bien. Ok, on l'a mis KO, très bien. Excellent, magnifique. Ouf. J'étudiais les Pokémon sauvages dans les hautes herbes quand il m'a sauté dessus. Très bien. Tu m'as sauvé, merci beaucoup. Oh. Ouais, c'est toi, It. Ce n'est pas un endroit pour discuter. Allons au labo. Alors, It, ton père m'a beaucoup parlé de toi. Il m'a dit que tu n'avais pas encore de Pokémon à toi, mais tu as fait preuve d'un aplomb formidable pendant ce dernier combat. Je suppose que le sang de ton père coule dans tes veines. Après tout, je sais ce que je vais faire pour te remercier. Je vais te donner le Pokémon que tu as utilisé tout à l'heure. Ok, reçois Poussifeu. Très bien, c'est très bien.
Si tu veux, tu peux donner un surnom à ton Poséidon. Non, merci. Si tu entraînes ton Pokémon et que tu gagnes de l'expérience, tu feras un bon dresseur. Flora étudie aussi les Pokémon en m'aidant. Ça serait une bonne idée d'aller voir Flora, qu'en penses-tu? Oui? Super. Ça ferait plaisir à Flora. Demande-lui de t'apprendre en quoi consiste la vie de dresseur. D'accord, mais il y a un truc vraiment très bizarre. Bah, elle est pas là, cette Florette là. Ok, je vais aller voir la maman direct avant. Comment ça va, Isleaf? Tu allais là, tu devrais peut-être aller te reposer. Ok. Très bien. À bientôt, mon chou. Allez, hop, on se barre. Plus vite que ça. Plus vite que ça, plus vite que ça, plus vite que ça. Graian, ah, mais j'adore ce Pokémon parce que c'est un Pokémon de chien. Et moi j'adore les chiens. J'adore les chiens. Hop, voilà, level 6, très bien. Un shiny pod. Pod, désolé. Alors, en soi, ça fait très longtemps que j'ai pas joué, du coup, je connais pas du tout les noms. Enfin, si, je les connais, mais un peu chaud. Voilà, on va le faire passer level 7 vite fait, en quelques secondes. Comme ça, au moins, on sera paré pour aller défoncer Flora. Bah oui, parce qu'elle va vouloir faire un combat avec nous. Excuse-moi, elle a passé une. Ok, très bien. Alors, hop, on va rentrer dedans. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va nous donner. Un Pokémon et bâton, devient. Ok, très bien. Bonjour, je travaille dans une boutique Pokémon. Je peux t'emmener avec moi? Ouais, si tu veux. Allez, une potion. Merci, très bien. C'était très bien. Alors, ok, toi, je sais pas ce que tu veux, mais je me barre. Ah, ok, en fait, j'avais oublié. Flora, elle monte tout en haut. Zigzaton. En fait, ce Pokémon, il est bien. Pourquoi il est bien? Parce que, en fait, si je me rappelle bien, quant à ce Pokémon, bah, en fait, lui, il ramasse des trucs par terre. Et c'est vraiment super sympa. Ça évite que toi, tu ramasses, en fait, à chaque fois que tu passes dans un petit coin où il y a des Pokéballs par terre. C'est bien. Alors, voyons, les Pokémon trouvés sur la route droite comprennent. Ok, très bien. Oh, salut! Oh, je vois, mon père t'a fait cadeau d'un Pokémon. Puisqu'on est là, on a. Attends, comment tu sais que j'ai un Pokémon alors que. Oui, peut-être je me suis déplacé tout seul. Ouais, ouais c'est vrai. Ok. Quatre verres, un petit combat. Ok, tu sais, la meuf, laisse-moi un peu de temps. Ouais. Au moins, soigne mon Pokémon. Ça se fait pas, ouais. En plus, lui, je suis sûr qu'elle, elle a Gobo. Tricheuse, ouais. C'est quoi? Hop, on va avancer. Voilà, parce que tu m'as saoulé avec ton gobou de merde. Maintenant, je crois savoir pourquoi mon père garde un œil sur toi. C'est vrai, tu viens juste d'avoir ce Pokémon et il t'aime déjà. Tu peux peut-être nouer des liens avec n'importe quel type de Pokémon. Bon, il est temps de retourner au labo. Très bien. J'ai essayé de te rejoindre, mais pas pour le moment. Je vais défoncer ce Pokémon avant, passer le level 9. Ou peut-être un deuxième Pokémon. Imagine, Zigzagoon, il me défonce. Yes. Allez. Non, putain, mais Guazli, le truc là. Casse-toi. T'es chiant, puis t'es moche. Non, 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 je suis pas prêt, wesh. Par contre, c'est excellent. De rejouer. Oh, bonjour. Ok, le mec, il me dit deux fois bonjour, mais j'ai pas vu de jour ou de. Putain! Il paraît que tu as battu Flora. Belle performance, tu as remporté ton premier combat contre un dresseur averti. Flora m'aide dans mes études depuis bien longtemps. Flora a déjà de l'expérience comme dresseur. Tiens, j'ai commandé ça pour mes recherches, mais je crois que ce Pokédex te sera plus utile qu'à moi. On retire le Pokédex. Ok, très bien. Un outil de haute technologie qui enregistre automatiquement les informations sur les Pokémon rencontrés ou attrapés. Flora amène le sien partout. À chaque fois qu'un nouveau Pokémon est enregistré dans son Pokédex, Flora vient me chercher sur le terrain pour me le montrer. Bah, c'est con, hein, je suis désolé.
part en voyage, j'en sais rien. C'est super, Eclipse, toi aussi, tu as un Pokédex. C'est génial. Tout comme moi. Tiens, j'ai quelque chose pour toi. Obtiens un Pokémon. Ok. Et ça sert à quoi de me donner les Pokéballs maintenant, après pour aller me saouler pour pouvoir montrer comment on capture un Pokémon? C'est con, quoi. Tu verras. T'es marrant. Non, t'es marrant. C'est marrant d'être avec plein de Pokémon. Je vais aller explorer un peu la région parce que je veux d'autres Pokémon. Si je trouve des Pokémon mignons, je les rattraperai avec des Pokémon. Ok, très bien. Ça, je m'en fous. Il y a un point. Hit. Hit. Ah, tu fais connaissance avec. Avec Professeur Seko. Oh, quel adorable Pokémon. Le Professeur Seko te l'a donné. C'est lancé. Ok, c'est quoi cette maman chelou là? En fait, il me l'a donné et je suis venu même plus. Bref, laisse tomber. Tu es bien comme ton père. Tu sembles être un quoi en accord avec les Pokémon. Tiens, chouchou, si tu pars à l'aventure, mets tes chaussures de sport. Elles vont te faire aller plus vite. Enlève tes chaussures pour remettre les chaussures de sport. Très bien. Ces chaussures s'accompagnent en mode emploi. Ah, mais c'est bon, on la connaît. Mais je t'en prie, fais attention. Hein, si que ça se passe mal, je vais rentrer. Vas-y. Va tous les attraper. Ok, très bien. Allez, je me casse. Attends, lui, je suis sûr qu'il va me donner quelque chose, lui. Allez, petit, donne-moi de bruit. Les Pokémon sauvages. Ok, très bien. Bah, c'est quoi, espèce de radin? Tiens, on va capturer un grain. Hein. Pas un Graiana, un Mediana. Bah, Poussifeu, pourquoi il a pas appris Mais il est où ce foutu Graiana truc là? Ouais, next. Ok. Allez, hop, on va le capturer en moins de 2. Hop. Très bien. Non. Médiane. Allez, coup de charge, coup de charge, coup de charge, coup de charge, très bien. Coup de charge là, allez, allez. Yes! Énorme. Il a de la chance ce petit Pokémon là. Ouais, il charge deux fois. Ninja! Flora, il va nous saouler avec ses captures Pokémon là, je suis sûr et certain. Franchement, je suis le mec qui soigne le plus dans ce jeu, c'est excellent. Ah lol. Attends, il va nous donner un truc ce petit là. Très bien. Je veux aussi un Tarsal. Non, tu connais pas Tarsal. Tarsal, c'est un tout petit Pokémon, il est tout mignon, qui évolue en garde-voix. Très bien. Ah, je vais rattraper tout le Pokémon. Ok, très bien. C'est déjà un bon début. Moi, j'ai 10 ans, j'en ai déjà 2. Ha! Alors, hop, notre premier dresseur. Ah, il s'appelle comment? Je sais pas du tout, j'ai pas regardé. Tu m'en excuseras, Ptio. Le jour que je vais gérer un Alex, je dirais ben, mon premier dresseur, je le connais pas du tout. Je l'ai eu vite fait. Il s'appelle comment? Écoute, je m'en fous. Je m'en fous parce que voilà, t'es chiant. Et puis tu m'as même pas laissé terminer. Ok, ben, très bien. Il est plus puissant que l'autre Pokémon là, mais c'est abusé. En plus, je suis level, il était level 5 l'autre, wesh. Ok, j'ai appris Flamèche. Très bien. Allez, Lupio, non, j'en veux pas.
Je vais pas de Ombre ou de Ludicolo là, c'est bon, c'est des Pokémon moches en plus. Et arrêtez là, ce pauvre Medinet n'a rien fait en plus là. Ah, toi t'es parti pour m'énerver toi. Lui envoie des coups de cookie. Tu vas te battre, Petio? Je ne suis pas très grand alors je m'enfonce dans les hautes herbes. L'herbe chatouille, mais... Ah, ok. Très bien. Zigzaton, ok. Espérons qu'on le tue. Ouais, très bien. Oh! Une hirondelle. Très bien. Donc, hop, on va juste récupérer ces baies. Non, j'ai pas envie d'en planter. Parce que ça... Déjà, je galère pour les avoir et tu veux que j'en plante, t'es folle. What? Alors, merci. Allez, hop, on va directement retourner sur la... sur les hautes herbes. A priori. Je te défonce. Ah, mais là, tu fais plus le poids, mon gars. Là, c'est fini, hein. J'ai eu pitié de toi. Mais a priori, Tarsal, il prend trop de temps à... Mais je sais pas si c'est là qu'on a Tarsal ou pas du tout. On verra bien. Il faut vraiment être Tarsal, hein, parce que sinon, ça va pas du tout. What the... Mais qu'est-ce que tu fais là? Ah, je vais te défoncer, mon gars. Je vais te défoncer. Regarde, je vais te brûler, tiens. Voilà. Ça, c'est fait. Hop. Attends. Hop. On va récupérer juste le Pokéball. Attends, c'est le Poké. Attends, le Poké. La poké. Bon, j'en sais rien et c'est chelou. Ce chelou, c'est quoi cette façon-là de te regarder? Hop, on va foutre. Franchement, non, je vais pas faire comme tout à l'heure là. Je vais foutre des attaques de merde devant. Parce que c'est bon, Salamèche, elle a oublié. Elle a oublié son Flamèche, quoi. Putain, Salamèche, Flamèche. T'as déjà vu un Salamèche sans Flamèche? C'est pas un Salamèche, quoi. Elle est excitée, elle. Excellent. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ah, hop, du coup, je crois. Attends. Oh! Ah, tu es peut-être un dresseur qui débute. Tu sais ce que font les dresseurs de Pokémon en arrivant dans la ville? Bah, je sais, ils vont aller voir l'arène. Putain, pourquoi je vais aller me battre? C'est son papa, apparemment. Tiens, mais c'est toi, Hit. Alors le déménagement est fini, je suis surpris de voir que tu as réussi à venir jusqu'ici, par toi-même. Oh, je vois, tu as tes Pokémon. Je suppose que tu vas aussi devenir dresseur. C'est une très bonne nouvelle. J'attendais ça avec impatience. Donc, il y a Timmy. Tim ou Timmy, je sais plus. J'aimerais savoir un... Attends, j'aimerais savoir un Pokémon, s'il vous plaît. Tu es eux, hein? Mais oui, tu es Timmy. N'est-ce pas? Je vais dans ma famille à Verzone. Comme je savais que j'allais être seul, je voulais attraper un Pokémon en route. Mais je n'ai pas réussi, je ne sais pas comment faire. Je vois. Hit, tu as attendu. Va avec Timmy et assure-toi qu'il attrape un Pokémon sans risque. Tiens, Timmy, je te prête mon Pokémon. Reçois Zigzaton. Ok, très bien. Reçois un Pokéball. Allez, hop, on y va. Très bien. Ok, Timmy. Hein. Pourquoi ça fait pas comme ça? Genre par exemple, quand on veut attraper un Pokémon, bah en fait le dresseur il vient devant et il attrape le Pokémon. Ça serait vraiment super sympa ça. Game Freak, je vous ai donné une idée. Hein, merci, ne me remerciez pas, c'est gratuit. Ok, merci. Alors, ça a marché. Oui, en effet, merci. Je voulais... Ah, merci de m'avoir accompagné. Ok, très bien. C'est grâce à vous deux que j'ai pu attraper mon Pokémon. Très bien. Maintenant, ah, c'est bon, tu parles trop, Norman, là. Excuse-moi, t'es le papa, mais tu te calmes, quoi. Ok, bah, il me reste encore 2-3 minutes. Donc, les 2-3 minutes, je vais les faire en speed pour attraper un Tarsal. J'espère que ça va pas vous ennuyer. Mais juste, je veux un Tarsal moi aussi. Voilà. En plus, c'est super rare à les avoir.
Tant j'en suis, mais que je ne laisse pas passer cette chance, quoi. Après, il apparaît pas là. En plus, il est géant, s'il te plaît, en plus, t'es Pokémon type psy, quoi, ce qu'il me faut. Parce que Norman a pris. Voilà, il est chiant, quoi. Ça, je pourrais pas le défoncer si tu n'as pas un Pokémon type psy. Plus, je ne sais même pas où on capture les Pokémon de type vol. Tarsal, ta mère. Désolé. Putain. Les amis, ce qu'on va faire, on va se quitter ici, hein, et on se donne rendez-vous sur une autre let's play. Et moi, d'ici là, je vais essayer de capturer Tarsal. Si je l'ai, je vais juste capturer Tarsal et je vous dirai si je l'ai vraiment capturé sur l'épisode précédent. Donc sur ce, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de faire cette vidéo. Enfin, surtout jouer Pokémon Emerald avec vous. Ça me fait vraiment penser à mon enfance. C'est vraiment super sympa. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et de vous abonner pour pouvoir suivre les autres épisodes. Sur ce, on se donne rendez-vous sur notre vidéo. Prenez soin de vous, restez comme vous êtes car vous êtes super. Et ciao tout le monde. Peace!